Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on monte le numéro 7 de l'Indian Springfield. Donc, voici le détail de nos pièces. On va commencer à monter la partie inférieure droite de la fourche de suspension. Voilà, oui, ça fait beaucoup ça. Donc, le détail de nos pièces, ainsi que notre pas à pas que voici, voilà, dans le numéro 3 il me semble qu'on avait fait un peu plus en une seule partie. Bon bah là, là on en a le droit en deux parties, voilà notre résultat final. Allez, on passe aux pièces. Donc voici nos pièces, pièces métal ici, donc comme le côté gauche, hein, exactement pareil, super bien chromé et tout. Non, franchement, c'est nickel. Alors, par contre, ce que je viens de m'apercevoir en ouvrant ma boîte, c'est que là, je sais pas, mais on a un super effet de rouille. Voilà. Donc, regardez, il y en a même au fond. Ça, c'est pas très très sérieux, ça. Bon, ça va, ça n'a pas abîmé la pièce, ça l'a pas marqué, ni rien, mais enfin bon. C'est un peu dommage, quand même. Voilà, donc, nous avons aussi des vis d'épée, et puis les deux réflecteurs, enfin, le réflecteur et son support. Voilà. Allez, on passe au montage. Alors, en étape 1, on va venir récupérer la pièce 7D et la pièce 7A. Donc, dans le fond, ici, nous avons un trou. On va venir tout simplement visser la pièce 7D dans la pièce 7A. On récupère notre petite clé qui avait été fournie avec pour pouvoir serrer le tout. Par contre, le truc qu'il va falloir que je vérifie, c'est que voilà, je pense que une partie plate là, je sais plus dans quel sens elle va aller. Faut que je vérifie sur la fourche qui a été montée. Je sais pas si ça a une importance que les deux petites encoches plates là soient bien alignées. Je pense quand même. Hein. Je pense quand même. Et là, c'est le drame. Bon. Je verrai ça ensuite. Alors. Ça, c'était notre étape 2. En étape 3, on va venir récupérer le support du réflecteur, le petit réflecteur que voici. Donc, il a deux petits picots. Ici, nous avons deux trous qui correspondent aux deux picots. Et tout simplement, on vient l'emboîter comme ceci. Nickel. Ensuite, étape 4, et ben tout simplement on vient hop, positionner notre réflecteur à cet endroit et on va retourner le tout. On prend nos deux vis d'épée, voilà, et tout simplement on va fixer notre réflecteur. Voici qui est fait. Donc, hop,
nous avons notre réflecteur et la première partie de la fourche droite. Voilà. C'est du nickel. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc celle-là, elle a été quand même relativement courte. Bon, les autres, ça ira un peu mieux. On a quand même une pièce assez lourde. Hein. Elle n'est pas très très longue. Ça va faire aller à peine 20 cm, mais ça pèse son poids. Donc ouais, une super qualité. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao !